Salut tout le monde, c'est RC Patapouf et aujourd'hui on a simplement préparé la Obao pour un petit speedrun. Alors on a simplement rabaissé juste la voiture, on a mis les pneus slick là, voilà, on revient et puis c'est plus ou moins tout. En 6S avec le 2350 kV, j'ai mis juste une carreau qui fait plus joli et que j'aurais pas peur d'abîmer si je me crache. Ah, j'ai oublié le GPS. Donc juste avant pour vous dire, j'ai atteint 106 km/h sur un test où j'ai fini par éclater un pneu. Donc là on est revenu, on revient le soir après avoir recollé le pneu. On refait le plein des batteries. Logiquement tout est plein, tout va bien. Celle-là, est-ce que ça finit bien toujours? Ouais, c'est bon. En fait, t'as une voiture là-bas. Ouais. Ça va être un... Non, vas-y, vas-y, tu peux y aller. On a cette personne, non? Tu peux y aller. Droit, droit, droit. Non, ça va être pas bon. 75% des gaz à peu près. Oh, j'ai pas la tête vers la voiture. Je trime un peu de ça quand même là. Problème avec le bulkhead d'avant, je pense. Ouais, non, je sais pas. C'est le pack foireux de batterie là. Je sais pas, je... Qu'est-ce qu'il me fait lui? Est-ce qu'il m'est déréglé déjà? Je sais pas pourquoi. Enfin, attends, il me faisait des ratés le varateur, je sais pas pourquoi. Je sais pas, je pense... Et en même temps, il est un peu vieux le varateur, je pense. Il avait déjà des ratés juste avant. Allez, regarde le score. Et... 107. 107. 1 km/h de plus. Bon, ça confirme bien. Okay, que 107 km/h. D'après les calculs, avec ce moteur-là, j'arrivais avec des roues qui font 11 cm à 115 km/h, d'après les calculs mathématiquement. Mais là, je pense qu'en plus, le moteur, c'est un moteur en 40-68, bon, donc moins de couple. Laisse comme ça. S'il fait plus, s'il fait plus. Puis comme ça, j'aurai une capture d'écran. Ouais, parce que tu filmes en même temps là. Ah oui, ça filme là sur la caméra. Tu verras bien la vitesse affichée. Ouais. Et puis comme ça au pire je pourrais mettre l'image dans le montage. On arrive au... Idéalement atteindre les 110. Mais je sais pas si tu l'auras pas plus dans cette direction là. Essaie de faire un... Tu prends ton élan et tu passes comme ça. Merci Pierre en tout cas pour le trajet. Allez, fais ton trajet, fais demi-tour, pas trop loin. Ouais, je pense que je trafique le bacon un peu, il est un peu fort. Là. Ah, plus de portée, j'ai l'impression. Allez, on va tous ensemble voir ce que ça donne. De toute façon, elle risquait pas d'aller bien loin. Alors, quelle vitesse? J'espère que j'ai... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. 112! Ah, excellent! Ah, yes! Ah, je suis trop content là, par contre, là.
Le vent il va plus comme ça en plus. Ouais, donc j'avais bien raison. Oh, je suis trop content, 112, regarde, 112 km/h. Oh, je suis content là. Allez, tu remets, on va voir si on peut faire les plus, les 115 s'ils sont atteints ou pas, d'accord? Ouais. On se remet au niveau de la voiture. Moi je vais rester là, Raphaël. Et sont les trucs de carreau? C'est moi. Ah, les tiens, je sais pas ce que tu disais, mais. J'ai dû les poser là, ah, j'en vois un là. Et oh, le roulement il est où? Je comprends pas que tu l'aies pas posé. Chaque fois ça m'a. Ah, il est là. Non, c'est pas intelligent. Je vais rester à ce niveau-là, Raphaël, d'accord? Ouais. Je vais m'avancer au niveau du panneau, ok? Ouais. Toi, tu vas te remettre au niveau. Non, et... touche pas. Tu te remets au niveau de la Clio. Les pneus, ils sont quand même. Ouais, ils sont à peine tièdes en fait. Mais là, comme il fait moins chaud, à mon avis, on peut se le permettre. Raphaël. Moins de dilatation et moins d'éclatement, parce que j'ai un peu éclaté le coup. Donc en fait, si. Il colle bien quand même un petit peu, regarde, touche. Il colle bien. Non, il n'a pas. Voilà. Touche, il colle bien. Raphaël, papa. Ouais. Oh, on est bête. Tu peux pas le remettre au cas où. Non, je peux, j'ai oublié ce carreau, tu vois, la carreau, elle est vieille quand même. Okay. Elle est très cassante quand elle est vieille. Ouais, je veux que tu tiennes. Donc moi, je vais rester ici au niveau du panneau, vous allez vous remettre au niveau de la voiture. 112, ah, par contre, je suis content. Ok. On va voir si on fait plus ou pas, d'accord? J'arrive les 115. Je vais rester, par contre, seulement une chose, essaie de viser la ligne blanche, d'accord? Parce que j'ai quand même peur que ça finisse. Alors, ça va, il n'y a pas trop de buzz, donc ça va au cours, puis elle finit dans le champ, c'est pas mieux méchant. Ouais. Mais ça peut faire comme quelque chose un peu violent. En plus, avec la portée, je me rends bien compte que j'arrive avec à cette vitesse-là, pas, j'arrive. Pas loin, hein. Oui, enfin, un petit peu quand même, quoi. Ouais, enfin, même pas un kilomètre. En plus, c'est pas une radio la plus récente, quoi. C'est... On voit que ça commence à casser là. Ouais, tu vois, il est cassé partout. Bon, retourne vite, vite la porte, tu retournes. Allez, et je mets. Oui, et vous mettez plein la voiture, restez prudent, d'accord? Ok. Ça, c'est pour RC Jam Jam. But de portée! Ah, c'est quand même kiffant là! Quoi? Ouais? Ok! On attend qu'elle passe. Ok! Ça finit toujours. Ça va, ça finit toujours. 11 minutes. Je suis content là. Ah, je suis bien ici pour regarder un salon. C'est bon! Ok! C'est pas le but. Le feu, il a éclaté. Ouais, je sais pas, attends. Encore un pneu éclaté. Il est éclaté.
pneu éclaté. Voilà, un morceau de mousse. Moi aussi, je l'avais vu. De toute façon, vu l'état des mousses, sont tous. Il y a plein de morceaux, plein de mousse dans les pneus. Ils sont aucun équilibré en fait, ça le truc. Attends. Ça se trouve c'est l'arrière que j'ai recollé. C'est pas vu. Moi en fait c'était tout près de nous en fait, ça a éclaté. Ouais. Attends Pierre, attends. Déjà, on check. Lui. J'ai pas trouvé Raphaël. T'es sûr c'est pas les morceaux de. Non, on l'a vu partir, on l'a vu. On peut faire comme ça. Attends, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Ah, ça doit être lui. Ah ouais, c'est lui. C'est ici, c'est là. Bingo, c'est là. Bon voilà. Bon bah on a quand même éclaté un pneu. Bon, on regardera la vitesse s'il y a un score plus fort ou pas. Ouais. Les 112, on part pas pour deux pour la soirée. Hein. C'est ça, on a gagné quand même 6 km/h. Avec le vent dans le dos. Mais les 106, qui vraiment, j'y croyais pas. Hein. C'est vrai, on est. C'est bizarre. Et j'ai. La machine, elle prend de la hauteur, elle se soulève quand même. Hein. Parce que, bah oui, c'est les pneus qui ballonnent en fait. Ouais, mais malgré le poids et tout. Parce que, imagine-toi, avec des pneus pistes, ça irait, je pense, deux fois moins vite vu que, bah, ils sont plutôt petits les pneus pistes. Ouais, ouais. Faudrait que j'ai beaucoup plus de tours moteur. Je pense au niveau du bucket, des modifications que j'ai mal faites. Bon, non seulement on repart avec des données intéressantes. Nouveau record. Sans avoir abîmé la voiture. Attends, je prends tout ça. Enfin, si, on a abîmé un peu la voiture. Ne mets pas par terre. Et puis tu vois le fait qu'on se mette à deux endroits différents. Ah. Alors. Yes. Yes, je suis content. 115 km/h. 115, eh ben dis donc. Oh, je suis content là. Donc tu l'as fait en fait. Quand j'étais au bout, je te l'ai remise dans la ligne, je pense, avant que ton pneu éclate. Ouais, je pense, c'est là que j'étais le plus plein gaz. Ouais. Il était là. Yes. 71 mph. 115. Attends, on va voir ça tout de suite. Alors, speed unit. Tu parles là. Mph. 71 mph. Et combien de. Ah, je suis content là. Ouais. Oh la vache, 1,3 km. Non, 1,3. On l'éteint peut-être la machine. 2,1 km en tout. Bon. Ouais quand même hein. Pour moi il roule mal Raphaël, il est tout ce roulement là. Par contre là il est bien. Ouais, je vais checker l'état des batteries après quelques trucs. Ouais. Alors. Choix, première batterie. Il va avoir le trou. 11,8, ta vache quand même ça pousse quand même d'être plein gaz. Ouais, ça c'est sûr. Parce qu'un moteur quand il force vu qu'il est plus petit, ça consomme plus. Ouais, 11,8, 50% plus ou moins, vidé de moitié quand même allez, moteur. Bon, on y va. Ah, il est vachement tiède le moteur quand même, il est quasiment pas chaud. Bah tant mieux, c'est bon signe hein. Oh, ouais. Ça veut dire qu'on pourrait s'autoriser à faire d'autres runs ensuite. Avec des pneus, enfin voir pour... On y va. Ouais. Il t'a quand même donné une belle machine hein. Ouais. Parce que franchement, t'as pas de frais dessus pour l'instant. Ouais, enfin pour l'instant, même si elle couronne de diff et voir pour acheter parce que la Cosfan ça fait crrr, comme ça. Ouais, enfin je veux dire, tu payes un 115 avec quand même. Ça vaut quelque chose ça. C'est franchement. Donc j'ai fait un truc. Oh bah c'est bien ce que je pensais. J'ai bien collé, regarde. Ouais. Regarde. Vas-y. Ces morceaux de pneus qui sont restés sur la. Donc c'est le pneu carrément, le pneu qui s'est déchiré au niveau du collage. Plus, en fait. Ouais, donc il faudra carrément que je lime la jante pour enlever toute la partie de pneu et puis recoller le pneu. Ouais. Ou alors carrément chaud. Ouais, on y va. Oh là là, je suis content, j'ai atteint le but de 115 km/h. Le calcul était parfait. Exactement. Sans ballonnement, je pense qu'il y a un problème au niveau du moteur parce qu'il n'était pas hyper puissant. 115, ça veut dire qu'on peut peut-être gagner encore 1 ou 2 km/h si tu arrives à plus se stabiliser en ligne droite. Ouais. Parce que tu as une roue bombée, donc c'est pas évident, tu dois contrer à chaque fois ça. Hein. Non, justement, en fait, les roues qui ballonnent, ça me fait gagner de la vitesse vu qu'elles sont plus grosses. Donc, une route bombée, dont tu dois sans arrêt travailler pour aller pas ouais, c'est ça, droite, en gauche. En plus, avec le. Regarde, par exemple. Ah ouais, du jeu. Ça, c'est un jeu en fait. Elle tire droit quand même pour à 115 km/h. Ah ouais. Oh, je suis. Attends. Attends, t'as mis le petit roule. Moi, j'ai mis le petit roulement. Normal, gros. T'inquiète, donne. Là, il y a une petite aération, là, il va pas. Il y a par contre une vitre. Allez, on remet tout là-dedans. C'est trop cool. On étend ça. C'est bon. Allez. Ciao tout le monde, abonnez-vous.